Le Seigneur, tu pourras toujours te présenter ici librement. Je n'ai jamais haï tes pareils. Entre les esprits qui nient, l'esprit de ruse et de malice me déplaît le moins de tous. L'activité de l'homme se relâche trop souvent. Il est enclin à la paresse et j'aime à lui voir un compagnon actif, inquiet et qui même peut crier au besoin comme le diable. Mais vous, les vrais enfants du ciel, réjouissez-vous dans la beauté vivante où vous nagez, que la puissance qui vit opère éternellement vous retienne dans les douces barrières de l'amour, et sachez affermir dans vos pensées durables les tableaux vagues et changeants de la création. Goethe, Faust. Prologue. Effacez les traces. Ce matin, Rino m'a téléphoné. J'ai cru qu'il voulait encore de l'argent et je me suis préparée à le lui refuser. Mais le motif de son appel était tout autre. Sa mère avait disparu. Depuis combien de temps? 15 jours. Et c'est maintenant que tu m'appelles? Mon ton a dû lui paraître hostile. Pourtant, je n'étais ni en colère ni indignée. Juste un tantinet sarcastique. Il a tenté de répliquer, mais n'a pu émettre qu'une réponse confuse, gênée et moitié en dialecte et moitié en italien. Il s'était mis dans la tête, m'a-t-il expliqué, que sa mère était en vadrouille quelque part dans Naples, comme d'habitude. Même la nuit? Tu sais comment elle est. D'accord, mais 15 jours d'absence, tu trouves ça normal? Ben oui, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. C'est encore pire. Elle n'a jamais sommeil, elle va et vient, elle fait tout ce qui lui passe par la tête. Il avait quand même fini par s'inquiéter. Il avait interrogé tout le monde, fait le tour des hôpitaux et s'était même adressé à la police. Rien. Sa mère n'était nulle part. Quel bon fils! Un gros bonhomme sur la quarantaine qui n'avait jamais travaillé de sa vie et n'avait fait que trafiquer et gaspiller. J'y imaginais avec quelle diligence il avait dû faire ses recherches. Aucune. Il n'avait pas de cervelle et rien ne lui tenait à cœur hormis sa propre personne.